Coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo, encore home déco. J'ai un album à commencer avec des papiers, c'est Stamperia je crois, et il va falloir que je commence. Je sais pas si je vais le faire en vidéo parce que j'ai peur que ça soit long quoi. Mais voilà quoi. Donc en attendant je fais ça parce que c'est rapide. Et alors ça c'est quelque chose que j'ai vu sur Instagram. Et c'est Plume et Valéa, je crois, qui fait ça. Je suis abonnée à son compte et je trouve ça vachement mignon. Alors c'est dommage parce que il a une. Il est cassé le petit truc. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, c'est un petit renard. Donc ça, c'est un renard de l'ancienne collection. Hein. C'est marrant parce qu'ils en ont collé plusieurs. Ah non, ils ont fait en 3D. Mais en attendant, je vais un peu décorer le petit renard. Avec les petites fleurs de Lisou. Alors, parce que vous voyez, je voulais lui faire. En plus, il a encore un petit trou, évidemment. Donc je voulais lui faire une petite couronne. Une petite couronne comme ça de fleurs. Oui, et ça va masquer le petit trou. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, on va mettre des couleurs qui vont à peu près ensemble. Une verte. Voilà. Et ça, je vais coller ça. Vous savez que depuis que j'ai trouvé cette. Enfin, je ne sais pas si elle va couler, mais la colle à bois. Ah, ça, regardez, ça fait un élastique qui sort, dis donc. À mon avis, elle est bouchée. Hein. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre de la colle à bois. Parce que je trouve que, en fin de compte, ça colle pas mal du tout. Franchement, je trouve que ça colle bien, quoi. Donc, on va mettre une verte. On va faire comme ça. Vous voyez, et il aura une petite couronne comme ça, on les enchevêtre entre elles. Il aura une petite couronne de fleurs. Ça sera typo mignon. Quand j'ai remarqué, je dis toujours ça. Il y a les blanches aussi. Je vais pas les ranger, je vais les laisser là des fois que ça puisse servir. En tout cas, c'est très mignon. Déjà là, vous voyez, ça suffit. Et puis, on va faire... alors, elle a fait un petit tipi. Alors, j'ai pris dehors des petites branches, comme ça, des branches d'arbres. Et, je vais voir. On va les casser. Elle a fait un petit tipi comme ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça n'a pas l'air bien... faut pas le faire trop grand par rapport au renard. Je sais pas si je vais y arriver, hein, je vous dis tout de suite. Elle a fait un petit truc comme ça. Moi j'ai pris aussi de la toile de lin. Elle a attaché avec une ficelle. Enfin bon, je sais pas, on va voir ce que ça fait. Alors est-ce que du coup je casse ça ou pas? Ou justement je laisse apparent, on s'en fout en fait. C'est pas grave. J'ai mis mon pistolet de colle à chauffer. Je vais coller ça. J'ai trouvé ça à l'autre chez Action. J'ai pas trouvé les petites pommes de pin qui sont bien ouvertes là. Je les trouve jolies. Maintenant, je sais que j'ai un endroit, un parc. Bon, il faut aller prendre la voiture, mais c'est un parc où il y a ces petites pommes de pin là. Faudrait qu'on y aille quoi. Ça, c'est vieux. C'était dans chez Action. Ils vendaient ça, mais c'était très mignon. Et je vais en mettre une. Hein. On va se prêter à l'automne. Et puis on va voir comment on va décorer ça. Alors, déjà. Ah, mais qu'elle est sotte celle-ci. On va mettre déjà de la colle pour faire la petite tente là. Et avec ça colle entre eux, ça serait déjà bien. On va prendre un bout de comme ça de lin. On pourrait aussi mettre de la toile de jute. Hein. Ça à peu près les mêmes morceaux.
Ça fera comme... comment dire? C'est même un peu trop long. Attendez les amis, hein, faut quand même déjà si ça tient pas, on est mal barré. Je vais resserrer avec un lien en haut. C'est approximatif, hein, vous voyez le truc. C'est pas. Voilà. D'ailleurs, je me suis plantée parce que j'aurais dû mettre dans ce sens-là pour qu'il y ait les franges devant, à la limite. Hein. Comme ça, on va remettre un peu de colle ici pour que ça. Je pense que vous voyez pas du tout ce que je fais, mais bon, ça vient dessus. Mais vous devinez, moi c'est pas un tuto que j'ai vu, hein, c'est une photo, hein, donc voilà. Là, on viendra mettre, je pense plutôt mettre ça, du raffia comme ça en haut. Que je suis pas bien à droite en ce moment, hein. Faut bien se le dire en ce moment. On fait et on arrange après, c'est pas grave. Évidemment, le tissu s'est foutu dans l'autre sens. Ça, on coupe, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. On pourrait même mettre une petite lumière. Hein. Je peux même faire en sorte que les petits tissus se rejoignent derrière. Comme ça ferme la petite tente. Oui. Hop, hop, hop. Ah. Bougez pas les amis, ça va se faire. Hein. C'est un petit peu long parce que je suis pas bien à mon aise. Voilà, comme ça, après ça, colle, et on colle. Bon, est-ce que ça va tenir? Ça, on n'en sait rien. Logiquement, ça devrait tenir, pourquoi pas? Je me brûle, hein. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où elle sort. Hein. Voilà, là déjà, on a la petite tente. Si je peux, je lui enverrai à la personne qui a fait ça. Elle fait des très très jolies choses. C'est toujours un peu féerique. C'est joli ce qu'elle fait. Je pense que là, regardez. Ça, on peut même le faire. Tenir, ça va aider. Au maintien. J'aurais dû mettre plus près là, hein, mais bon, tant pis. Là, je vais mettre mon petit renard. On va le coller. Alors, la colle qui dépasse, c'est pas beau. Hein. Faut bien dire ce qu'il y a, c'est pas beau. Mais on va masquer ça, on va mettre de l'herbe. Qu'est-ce que c'est qu'on a acheté là? Enfin, je dis con parce qu'on est plusieurs à acheter les mêmes choses. Hein. Pour l'instant, ça fait ça. Je
J'aurais bien mis la photo de sa créa sur ma vidéo, mais je pense pas qu'on ait le droit de. Bah, est-ce que je veux dire de prendre les trucs des personnes? Alors, soit je mettais du beige comme ça, ou du vert. Ça fait peut-être mieux vert, hein. Moi, je préfère la mousse, hein. Enfin, la vraie mousse, là. Je sais pas, je trouve que ça fait plus naturel, hein. Moi, je préfère ça, hein. Ah ouais. Sauf que le problème, je trouve qu'elle est pas très verte. Mais moi, je préfère ça. De la colle. Ah oui, je fais pas encore les trucs d'Halloween, hein, parce que moi j'aime bien chaque chose en son temps. Oui, j'aime pas faire à l'avance Noël, tout ça. Non, j'aime pas. Ça me gâche, parce que je trouve qu'il y a un plaisir quand même à chaque saison, et le faire à l'avance, ça gâche le plaisir. C'est bien aussi d'attendre les moments comme ça. C'est sympa, quoi. Voilà. Pour l'instant, ça fait ça. Enfin, pour l'instant, on arrive à la fin quand même. Je vais mettre ma petite citrouille devant. Non, j'ai envie de la mettre là. Top. Ça, je vais mettre ça. Et je l'ai même pas encore ouvert, la petite truc. Je sais pas ce que c'est, ça. J'ai même des petites noisettes là-bas. Je sais pas les noisettes si ça. C'est des vrais, quoi. Ça, on me demande si ça pourrit ou pas, ou je sais pas. Hop. Attendez, bougez pas. Hop là. Hop. On ne veut pas coller. Là. Les coccinelles, mais je sais pas. Alors, les petites fleurs. Des petites fleurs de lisou. Ou alors je mets des petites fleurs en bois. Je suis même pas sûre. Qu'est-ce que c'est qu'on avait? Des petites fleurs en bois. C'est beau. Voilà. Bon, on la voit même plus, la fente. On la voit plus, hein. Je sais pas si ça tiendra bien bien, j'ai pas l'impression, mais bon, on va remettre de la colle. Et pour que ça colle. Hop. On met de la colle pour que ça colle, bien sûr. Je sais pas si je mets des petites fleurs ou des petites fleurs. Il y a jaune. Non. Il y a une petite blanche là. Non. Parce qu'il n'y a pas des rondins de bois derrière moi. Logiquement, il y en a, mais ils sont un petit hérisson, petite feuille d'érable, mais elles sont trop très grandes. Qu'est-ce qu'ils sont, les petits rondins? Et les petits, vous savez, les petits fagots là. Pas des fagots, mais des petites branches comme ça. Là, les rondins, mais ils sont trop gros. Attendez, il y en a peut-être des petits. Est-ce que je suis là, hein? Je suis pas bien loin, hein. Des petites pommes de pin, mais ça. Voilà, c'est au parc de Rantilly. Hein, pour ceux qui sont du 7-7. Là, il y en a une petite. Vous voyez, elles sont un peu écartées comme ça. Donc, je pense que je vais en mettre. C'est là qu'il y a un peu trop, là. Tu vois, ça étouffe trop le petit truc. Ça, j'avais ça. C'est mignon, mais ils sont
Ils sont trop gros, quoi. Les petits rondins, mais c'est pareil. Non, je vais mettre les pommes de peigne. Hop. Ça, c'est mignon. Parc de rente. Voilà, c'est ça. Il va falloir que je retourne là-bas. C'est là-bas où il y avait des magnifiques... Enfin, c'est au printemps. Des très, très beaux magnolias. Voilà. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je pourrais mettre une petite coccinelle, mais le rouge, ça va détonner avec le petit truc orange. Donc, non, je vais pas mettre. Ben voilà, c'est tout. Je trouve ça vachement mignon, quand même. Vous n'aimez pas. Voilà. Je vous ferai une petite photo. Et puis, comme ça, vous verrez de plus près, quoi. Parce que là, les zooms, c'est pas terrible, terrible. Voilà les amis, j'en ai fini avec ma petite déco que vous pouvez poser. Ça fait, c'est bien pour l'automne. Ah bah si. Ah bah je veux, attends. Et là, une, peut-être une là. J'aime bien moi mettre plein de petits trucs. C'est pas, il suffit pas de mettre plein de trucs. Il faut que ça reste un peu dans le ton, quoi. Vous voyez ? Faut que ça soit pareil. Voilà. Et bien, à tous, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, je vous remercie. Tiens, j'ai plus de batterie. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.